Le village des recruteurs est à Bordeaux aujourd'hui, vous le savez, près de 1300 postes à pourvoir. Nous sommes au contact des recruteurs et c'est le cas avec Stéphane de Pierrepont. Bonjour. Vous êtes directeur de l'agence de Bordeaux de Solano. Solano. Cette agence est toute récente, elle était ouverte en décembre, depuis, c'est ça Depuis mi-décembre, mi-décembre 2016. Ça fait aujourd'hui. Alors concrètement, vous recherchez une trentaine de postes, c'est quand même pas mal. Trentaine de postes, quels sont vos besoins? On vous écoute. C'est beaucoup parce que nous sommes en plein développement, en plein de création. Solano est une agence spécialisée en transport logistique, donc nos profils aujourd'hui, ce sont essentiellement des conducteurs, poids lourds, super lourds, mais également des magasiniers, des agents de quai, des caristes, pour tout ce qui est logistique. Alors pourquoi avoir choisi Bordeaux? Vous me l'avez dit tout à l'heure, vous êtes implanté un petit peu partout en France. Bordeaux, c'est pas la dernière installation, puisqu'il y en a une à Metz et Cavaillon, c'est ça récemment? Tout à fait. Pourquoi avoir choisi Bordeaux là et récemment en décembre? Parce que Solano aujourd'hui est une société qui se développe à hauteur de 2 ou 4 agences par an. On est spécialisé transport. On cherche d'abord les grands axes de développement. On a fait Paris, on a fait Lille, on a fait Nantes, on a fait Rennes, on a fait Lyon. Donc Bordeaux était la suite logique. Hein. Toulouse également, donc Bordeaux était simplement la suite logique. Quelles sont les forces de cette région de Bordeaux? Quels sont les atouts? Pourquoi avoir choisi vraiment cette région? Tout simplement parce que Bordeaux, je dirais, c'est pour nous un axe de développement très important qui nous relie entre le sud de la France et la Bretagne, par exemple. Donc au niveau transport, c'est un endroit, je dirais, stratégique pour nous. Parmi la trentaine de postes, est-ce qu'on peut concrètement dire quels sont les postes que vous recherchez et les profils aussi? Alors les profils, ce sont essentiellement donc des conducteurs poids lourds et super lourds. Après, c'est à tout niveau. Pour faire du régional, du national, du transport, des travaux publics. Donc tout ce qui regroupe en fait les métiers du transport. Alors la marque de fabrique, c'est l'humain. Qu'est-ce qu'on pourrait dire chez Solano? Le savoir-être prime forcément? Alors chez Solano, il y a deux choses qu'on va mettre en avant à chaque fois. C'est la proximité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui Solano, ça représente 22 agences. Donc c'est encore à taille humaine, la proximité. D'accord. Et on essaye de fidéliser chez nous nos intérimaires. Le maître mot, c'est la fidélité. D'accord. Ce ne sont pas des numéros, d'accord. Ce sont des êtres humains, mais ce sont avant tout nos salariés. Donc on essaye de les choyer, de les garder le plus longtemps possible. Alors là, on le voit aujourd'hui, il y a plein de personnes avec leur CV à la main. Ils ont le sourire. Il fait beau, on faut dire aussi ici, place Puberland. Je cherche un boulot chez Solano. Qu'est-ce qui va primer finalement en priorité? Je viens vous voir, je m'assois avec mon CV. À quoi vous voyez qu'il y a derrière tout ça, il y a un bon candidat? Alors déjà, ce qui est important lorsque vous allez rentrer, c'est l'accueil qu'on va vous donner. À partir du moment où vous arrivez, que les gens sont accueillants, ça va déjà vous donner envie de travailler. Ensuite, par rapport à ça, le but du jeu, en regardant votre CV, on va l'étudier profondément. C'est-à-dire que lorsque vous venez chez nous, ce n'est pas simplement « je dépose un CV, on vous rappelle, je m'en vais ». Non, chez nous, on a mis en place plusieurs choses qui nous permettent d'accentuer davantage notre spécificité, à savoir par exemple un test conducteur. On pousse vraiment le recrutement à fond. Un entretien chez nous, ça dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Il y a, on parle d'intérim, mais il y a aussi du coup des CDI, c'est ça? C'est ce que vous me disiez? On passe oui, par la phase d'intérim tout forcément à fait, et tout ensuite à fait. Ça peut déboucher à l'intérim. Expliquez-nous un petit peu. Tout à fait, c'est-à-dire que plusieurs possibilités. Où nos clients ont besoin, un besoin ponctuel, à ce moment-là, effectivement, il y aura une période d'intérim assez courte. Ou c'est un réel besoin, car ils sont en recherche de personnel. Et à ce moment-là, il y aura plusieurs possibilités. Ou bien nous faisons une période d'intérim suite à laquelle ils vont pouvoir être embauchés, ou directement un contrat de placement. C'est-à-dire que là, on va jouer un petit peu le rôle d'un cabinet de recrutement et on placera directement l'intérimaire sans passer par une période d'intérim. L'emploi, d'un point de vue national, repart. Hein. Les clients demandent de plus en plus de candidatures. Ici à Bordeaux, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au marché de l'emploi? C'est très dynamique. C'est-à-dire qu'on peut le comparer à certaines régions. On arrive encore aujourd'hui à trouver du personnel. C'est compliqué, mais on arrive à trouver du personnel. Et ce qui est bien aussi, automatiquement, lorsque vous trouvez du personnel, vous le mettez en poste tout de suite. Merci beaucoup Stéphane de Pierrepont, directeur de l'agence de Bordeaux de Solano. Vous voyez, 30 postes à pourvoir parmi les 1300, surtout le village des recruteurs. D'autres interviews à retrouver avec d'autres recruteurs sur notre page YouTube, le village des recruteurs. Merci beaucoup. Merci à vous.